Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle ouverture de cartes Pokémon et aujourd'hui on va s'ouvrir le coffret Mimiki X. Trop cool de voir ces nouveaux coffrets du coup du bloc violette et écarlate avec le tout nouveau design, j'adore. Donc le même design que les coffrets de Paldea que je vous avais déjà ouvert qui étaient les tout premiers coffrets violette et écarlate. Bien entendu on n'a pas encore les boosters mais en tout cas on a déjà le nouveau design avec notamment toutes les informations sur le coffret. Donc le nombre de boosters, le nombre de cartes promo, grand format, petit format, etc. C'est vraiment hyper sympa, je trouve que c'est beaucoup mieux fait et beaucoup plus explicatif notamment pour les parents comme je l'avais déjà dit dans l'ouverture de l'autre coffret. Derrière on a comme d'hab petite description, ce que ça contient. Et puis voilà quoi, j'ai hâte de l'ouvrir, il est vraiment beau gosse ce coffret avec encore une fois des cartes ex, donc du coup promo du nouveau bloc. J'ai décidé pour le nouveau bloc que j'allais collectionner toutes les cartes promo, je vais essayer en tout cas même s'il y en a qui sortent pas forcément en français, je vais faire de mon mieux dans un petit classeur et tout, donc voilà je vous montrerai dans quelques années quand ça sera bien complété. En tout cas si ces coffrets vous intéressent n'hésitez pas à aller sur le site de Parkage, je vous mets le lien dans la description, c'est là que je les ai eus évidemment. Je vous donne aussi mon code promo PKMISJIRACHI pour avoir 5% de réduction sur ces coffrets s'ils ne sont pas déjà en réduction, mais je ne crois pas, et c'est valable sur tout le site, hein, si vous avez aussi Yu-Gi-Oh, Magic, tout ce que vous voulez, mon code est valable partout, donc voilà, vraiment n'hésitez pas, parce que 5% ça fait toujours plaisir en fait. Du coup, c'est parti pour l'ouverture. Ok, du coup, je vous présente ce qu'il y avait à l'intérieur de ce coffret plus en détail, donc il y en a deux, hein, j'en ai deux aujourd'hui à vous ouvrir pour deux fois plus de fun, évidemment. Donc du coup la carte promo, non c'est pas une promo, la carte de tout tombe en holographique, donc qui fera partie de SV1, très intéressant, peut-être que ça sera, parce qu'il n'y a pas de peut-être, c'est écrit, normalement c'est une commune et du coup là on l'a en version holographique exclusivement dans ce coffret. Et la deuxième carte cette fois-ci, Mimiki X, donc qui nous montre à quoi veulent ressembler les X, hein, même si on avait un peu vu déjà avec Zacian, Zamazenta, le Mimiki X, vraiment magnifique, très joli. Donc c'est la première fois en fait qu'on voit une carte X en petit, parce que pour les coffrets de Paldea, c'était que la Jumbo du coup qui était en X. Et est-ce qu'on voit bien ces petites étoiles à la caméra ou pas trop? C'est un peu compliqué, on les voit très peu. Je sais pas trop quoi penser de ces nouvelles ex. Je les trouve jolies, sincèrement, elles sont jolies. J'attends de voir un peu ce que ça va donner sur les autres. Mais c'est vrai que le film holographique est un peu bizarre. Pourquoi pas, je pense que je vais m'habituer. En tout cas, ça brille beaucoup et c'est le plus important. J'adore les cartes qui brillent bien. Très jolie Mimiki ex. Donc du coup, voilà, j'ai tout ça en deux fois, évidemment. Deux fois la carte Jumbo aussi de Mimiki ex, qui peut-être est plus brillante encore. On voit peut-être un peu plus les étoiles. Non, je galère à vous montrer, hein. Vraiment, je galère. Mais c'est pas grave, ça fait un peu fin. J'aime bien quand c'est pas forcément évident et que c'est pas too much. Et les boosters. Donc du coup, à chaque fois, on a eu 4 boosters dans chaque coffret, évidemment. Un tempête argentée, un astre radieux, 2 tempêtes argentées, du coup, et un star étincelante. Ok, donc voilà, dans chaque coffret, 2 tempêtes, un astre et un star. Et c'est la même chose, hein, évidemment, dans les deux coffrets. Ok, c'est parti pour l'ouverture. J'ai pas mélangé les boosters exprès pour voir si un coffret va être plus chanceux que l'autre. Mais on est parti, on recherche toujours évidemment les cartes qu'on n'a pas déjà en fait tout simplement. C'est vrai que là on a le principe de code blanc, code noir, je m'y suis très vite déshabituée hein, avec, Zenith Suprême du coup où tous les codes étaient noirs, c'est quand même plus sympa je trouve. Meditica, Araqua, Ponyta, Mimitos, Tarsal, une énergie, Cube Canaille, Peter, Archeapti, Viridium en rare et Click en reverse. J'ai fait exprès hein, de mettre la reverse à la fin vu qu'on avait un code blanc. Pour peut-être avoir une carte super sympa sur la TG du coup. Parce que là on est sur les GG maintenant avec Zenith Suprême. Mais normalement c'est les TG. Apitrini, Baudrive, Psychoquack, Togepi, Magneti, une énergie, lunettes super efficaces, Mélocric, Fossile Inconnu, un Ursa King en rare et Goupilou en reverse. Ok. Troisième booster, je vais aller assez rapidement je crois car je suis vraiment pressée de voir ce qu'il va y avoir, surtout dans le Star Étincelante. Donc là on a encore un Tempête Argentée, code blanc, que des codes blancs là c'est quoi ça? Oh Reliquante, Brutalibré, Togedemalu, Chlorobule, Pikachu, une énergie, Draco, magnifique, je viens de l'avoir en shiny sur Pokémon Écarlate, je suis trop contente, Donphan, Meios, un Armaldo, c'est la rare, et derrière un Anorit en peu comme une reverse, ok. Est-ce que le dernier booster, le booster Star Étincelante, va sauver ce premier coffret ou est-ce qu'on n'aura rien de rien? Ah,
On a un code noir, mais est-ce que ça veut dire quelque chose dans Star Etincelant? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, parce qu'avant on avait des codes noirs, mais ça voulait rien dire quoi. Je ne sais plus, je ne sais plus. C'est parti les amis, Skellenox, Tadmorv, Lixie, Queenotor, un Electek, une énergie, un Sizzash, encouragement de la team Miel, fierté de Rosemary. Oh! Incroyable! Incroyable, le Chifourse point final V, et derrière un Noctunoir holographique. Alors je vous montre vite fait le Noctunoir, je sais pas si je l'ai, mais ce Chifourse, je ne l'ai pas, je suis trop contente, magnifique, ah ça fait plaisir, je l'ai jamais vu cette carte, je la connais même pas, je vous avoue. Oh, trop contente, une super belle carte pour la Trainer Galerie. Chifourse point final V, qui rattrape vraiment l'intégralité du coffret. Hein. Franchement, sans elle, le coffret aurait été nul. Mais grâce à cette carte, le coffret devient incroyable. Magnifique carte. Je sais pas du tout si elle est rare ou pas, mais en tout cas, elle est très 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 belle. Et moi, je suis très très fan des cartes V de la Trainer Galerie. Je les trouve magnifiques. On la met juste là pour pouvoir continuer à l'admirer. Et on est reparti pour les boosters du deuxième coffret. En espérant avoir de la chance. De la chance. Plus de chance que pour le premier. Pour le moment, on est sur un code blanc. Mais on n'est jamais à l'abri d'avoir une dinguerie sur la Trainer Galerie. Nous avons un Cornèbre, Emolga, Meditica, Fermite, Tarsal, une énergie, Donphan, Roussille, Lokpin, en rare Zeraora et Passerouge en reverse. Rien d'intéressant. Pour ce petit booster, on est reparti sur du Astre Radieux cette fois-ci. Astre Radieux, c'est une très jolie série, mais elle est pas mal boudée. On a un code noir. Ah! Ça fait plaisir. Ça annonce peut-être quelque chose de sympa ou peut-être une simple lot. Mais il faut croiser les doigts. Feuforev, Barloche, Insecateur, Evoli, Scarino, une V-Star, Archéodonk, c'est mieux. Roxane, Kirlia, en reverse, un gros drive et Tiflosure de l'essuie holographique. Dommage! Une simple holo que j'ai déjà, j'en suis sûre, je la connais très bien celle-là. J'ai cru les gars, j'ai cru à la belle ultra rare. Encore un code blanc, oh non! Ah là là les gars, est-ce que ces coffrets sont chanceux? Pour le moment, pas trop. Après, ça dépend d'un coffret à l'autre, hein. Franchement, hein, c'est hyper random, c'est le but des boosters Pokémon. Tilton, Motisma, Lapureille, Fantirme, une énergie, Fossile Inconnu, énergie Garde V, Matoufeu. En rare Armaldo, qu'on a déjà eu en rare dans cette vidéo, et Tilton en reverse. Le dernier booster, les gars, Star Étincelante, je le sens bien. C'est un booster Dracaufeu. Je n'ai pas Dracaufeu alternative hein, de Star Étincelante, donc à tout moment, on peut avoir ce Dracaufeu. Tout est possible. On a quand même eu une superbe V dans... C'est un code blanc, ça? Mais c'est trop bizarre parce qu'on avait eu un code noir. Ah oui, on avait eu une holo. C'est pour ça. Ok, très bien. Bon, du coup, pas de Dracaufeu alternative, hein. Je vous le dis. Sinon, on aurait eu un code noir. Mais on espère sur la Trainer Galerie avoir quelque chose. Je sais pas si j'avais déjà fait le 1-2-1-2. Bon. Chinchidou, Balbuto, Stalgamin, Tarinor, Polarume, une énergie, Prémonition de Margie, Margie, Maggie, je l'ai plus, Casque Marmite, Noix de Coco, la carte rare Léopardus, c'est bon, du coup j'ai bien fait le 1-1 après. Et la dernière carte de cette ouverture, il s'agira de Cerebou en commune. Ok les gars, bon bah écoutez, 8 boosters. Ah oui, mon fond est pas du tout penché, hein. C'est peut-être un peu mieux comme ça. Bon, ça sera à la fin de la vidéo que je m'en serai rendu compte. Chifourse, point final V en TG, une sublime carte. Heureusement qu'elle est là, la seule ultra rare de cette ouverture, mais pas des moindres, donc quand même très contente. J'avoue qu'elle est vraiment, elle est vraiment belle. Elle est vraiment très belle. Une petite dresseuse rousse derrière comme moi, on adore. Bon, je sais que ça se voit pas trop que je suis rousse, mais je vous promets que je suis rousse. Ça se verra plus sur des photos qu'en vidéo. Car il n'y a pas de reflet là, vous voyez. Je sais pas pourquoi je commence à vous montrer ça, bref, peu importe. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. On aura quand même découvert pour la première fois la première ex en petit format. Et on verra ce que ça va donner par le futur. Hein. J'ai hâte de découvrir l'extension Violette et Écarlate. Je suis impatiente. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre la suite des vidéos. Et si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker et de commenter. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.